quelque chose de nouveau dans la présentation que je vais faire, mais j'essaie de présenter un petit peu, de me concentrer sur deux idées, d'accord, merci, c'est un prochain micro, surtout sur comment est-ce qu'ils ont été présentés dans les galeries du muséum à travers l'histoire et de manière critique. Parce qu'en fait, la question à laquelle j'essaie de répondre est la suivante. Un groupement d'objets permet-il de comprendre l'évolution? Évidemment que oui, puisque la théorie de l'évolution origine de l'observation des objets naturels. Il faut toutefois surmonter les idées préconçues. On en a parlé justement il y a deux minutes. Parce que souvent, ces idées socialement ancrées nous mènent sur des raisonnements simplistes, voire erronés. Donc, comme vous pouvez le voir sur la chronologie, avant de lire le Muséum national d'histoire naturelle à la Révolution française, le jardin des plantes médicinales est créé par le roi en 1635 pour l'enseignement pratique de la pharmacie, de la pharmacopée, si vous préférez. Cette création se fait en opposition avec la Sorbonne, qui voulait conserver l'enseignement théorique. Donc, le jardin des plantes aujourd'hui est installé à l'époque sur un territoire qui est à l'extérieur de Paris, pour pas être en conflit avec la Sorbonne. Au tout début de cette création, on enseigne la botanique, on enseigne la chimie, on enseigne l'anatomie, et ces cours qui sont ouverts reçoivent immédiatement un succès, un très grand succès. Au cours de son histoire, le muséum a toujours transmis des connaissances sur la découverte des objets. Donc, un peu moins de 100 ans, le Drolier du Roi va devenir cabinet d'histoire naturelle. Et puis après, on va voir apparaître différentes galeries sur le site qui vont présenter des thématiques parfois en opposition, si on est vraiment rigoureux dans l'expression de ce qui est présenté par rapport à l'évolution. Donc, Buffon fait découvrir un univers insolite et exotique. Parce qu'en fait, ça fait des gens. Donc, on a une période où est-ce qu'on fait des explorations, où on ramène des spécimens de partout dans le monde. Donc, en fait, on découvre de nouvelles espèces, de nouvelles choses exotiques. De Menton, en tant que garde démonstrateur du cabinet de soins naturels, qui était recruté par Buffon, organise et range ses collections. Mon propos est vraiment de dire que, et c'est ce qu'on a vu ce matin aussi, cet après-midi, que le classement, l'organisation, en fait, nous aide à faire organiser nos idées et notre compréhension de l'univers qui nous entoure. Donc, il va donc réorganiser les collections de Menton et en faire une description à l'histoire naturelle de Buffon. Le cabinet royal sert de matériau d'étude et l'équipe de Buffon a constitué une base empirique d'une méthode générale de comparaison de l'anatomie des animaux. Donc, dans son histoire naturelle, discours sur la nature des animaux, Buffon écrit « Comme ce n'est qu'en comparant que nous pouvons juger, que nos connaissances roulent même entièrement sur les rapports que les choses ont avec celles qui leur ressemblent ou qui en diffèrent, et que s'il n'existait point d'animaux, la nature de l'homme serait encore incompréhensible. » Encore plus incompréhensible. Après avoir considéré l'homme en lui-même, ne devons-nous pas nous servir de cette voie de comparaison? Donc, à la suite, le 19e siècle est marqué par la recherche de processus. Donc, j'ai regardé un petit peu c'est quoi les synonymes du mot processus, hein, puis je me suis rendu compte qu'en fait, on retrouvait des notions qui sont sous-jacentes, mais que souvent, on a tendance un petit peu à mettre de côté. Donc, on va retrouver des mots qui sont simplement changement, transformation, évolution. Cette recherche de processus repose sur la comparaison et sur le changement. Nous ne quittons pas donc le domaine de la comparaison et donc le classement. Si on revient à l'histoire du muséum, en 1802, Georges Cuvier devient professeur titulaire de la chaire des animaux. Il va renommer immédiatement la chaire d'anatomie comparée.
Rapidement, il crée une galerie d'exposition et de conservation des collections qu'il ouvrira au public en 1806. Ce fut la première galerie d'anatomie comparée du muséum, séparée du cabinet d'histoire naturelle. Le 19e siècle, c'est aussi deux conceptions différentes de l'ordre naturel qui sont enseignées au muséum. C'est aussi le début du questionnement sur ce que l'on va exposer, tant en France qu'en Angleterre. Vous voyez ici quelques notes prises par Aubin sur ce qui se passe en France. D'un côté, vous avez la conception de Cuvier, et de l'autre, la conception de Lalande. On va aboutir aux alentours de 1830 à une controverse qui éclate entre Cuvier et Geoffroy Saint-Hilaire. Geoffroy Saint-Hilaire soutient que l'idée d'une permutation géométrique peut être responsable du passage d'un plan d'organisation à un autre, contrairement à ce que soutient Cuvier. Ainsi, les visiteurs du muséum avaient d'un côté les séries de cabinets de spécimens d'animaux montés, disposés à cette époque selon les classifications de l'ACP de Lama, et de l'autre, la nouvelle galerie Cuvier, basée sur l'anatomie interne des animaux. En juillet 1889, la galerie de zoologie est inaugurée, avec plus d'un million de spécimens en exposition, organisés selon une classification systématique. Nous sommes toujours dans cette recherche de la biodiversité planétaire et on a exposé l'exhaustivité des collections. La galerie joue un rôle de réserve et de lieu d'exposition. Cette double fonction est à l'origine du conflit deux ans auparavant sur la conception muséologique. Que s'agit-il d'exposer ? L'exhaustivité des collections, ordonnée de manière systématique dans le milieu de vitrine, ou bien de réaliser une exposition thématique. Côté thématique, Poucher pense le bouchon encore un peu plus loin et dénonce en 1888 un projet qui ne repose sur aucune donnée scientifique. Les animaux que l'on va rapprocher, là, n'ont d'autre lien que leur taille entre eux. Bon, Poucher était quand même un petit peu fort dessus, parce qu'on était quand même sur un mouvement systématique. Mais effectivement, la taille par rapport à l'exposition, a joué un rôle prépondérant. Et c'est un problème que l'on rencontre aussi, je pense que ceux qui travaillent dans les muséums doivent avoir ce problème aussi de représentation ou d'organisation. Moins de 10 ans plus tard, on inaugure ce que l'on nomme aujourd'hui la Galerie de paléontologie de l'anatomie comparée. Le mouvement en faveur de l'instruction publique et de la préparation de l'exposition universelle de 1900 sont à l'origine de ces galeries. Il s'agit de commencer la rénovation du muséum par des galeries où l'on serait exposé la théorie de l'évolution. Ainsi, on retrouve dans ce même bâtiment trois disciplines qui sont présentées. L'anatomie comparée, la paléontologie et l'anthropologie. Le concept d'exhaustivité perd un peu de son sens, malgré que l'accumulation joue quand même un rôle prépondérant. Le classement et le regroupement thématique dans lequel l'évolution prend forme est principalement organisé au niveau de l'anatomie comparée. Darwin écrit « Ces similitudes que nous démontrons depuis des décennies entre les différents animaux, elles s'expliquent elles-mêmes à partir du moment où l'on admet l'idée d'évolution. » C'est une phrase qu'on a déjà entendue il y a quelques temps, de pas très longtemps. En anatomie comparée, l'exposition s'appuie sur un troupeau central de squelettes articulés, regroupés en petits ensembles de taxonomie. L'anatomie comparée des organes liés aux grandes fonctions de l'organisme est présentée dans les vitrines latérales. Si la galerie d'anatomie comparée remplit son rôle avec, pour le public, afin qu'il puisse appréhender l'évolution avec les vertébrés actuels, aujourd'hui on lui reproche de renforcer l'idée préconçue que l'homme est le sommet de l'évolution avec une série de vitrines latérales qui présentent l'organisation, un ordre linéaire depuis les poissons jusqu'à l'homme. De plus, déjà à l'accueil de la galerie, nous sommes accueillis par cet écorché, l'homme triomphant, qui va devant cette évolution. Du côté de la paléontologie,
la présentation de la paléopaléologie se veut aussi exposer les bases de l'évolution. Les collections matérialisent chronologiquement les principales étapes de la vie. Malheureusement, cette matérialisation aboutit tout naturellement aux mammifères et encore une fois à l'homme, la dernière espèce pour le public qui est apparue. Ces galeries ont évolué depuis leur inauguration et duration des collections présentées tout en gardant l'impression de profusion et la présentation de l'anthropologie qui a quitté la galerie pour rejoindre le Trocadéro avec le musée de l'homme. Toutefois, on est toujours dans cette renforcement de cette idée que l'homme est au sommet de l'évolution. Gaudry avait pensé la galerie en se disant, arrivé au sommet, on peut regarder le parcours parcouru par l'homme. En 1998, la galerie d'Intercomparée et de paléontologie a été conçue pour mettre en scène, pensée une préfiguration de rénovation, parce que cette galerie a été conçue pour présenter l'état de la science au 19e siècle. Malgré quelques remaniements au fil des temps, la préfiguration réalise en 1998 veut montrer une science du 21e siècle. Donc ce sont quelques vitrines qui sont aménagées pour présenter des sciences, évidemment, systématiques et systématiques. Les connaissances se sont accumulées et les concepts de paradigme se sont modifiés. La science maintenant est interdisciplinaire et les contenus doivent être basés sur de nouveaux concepts scientifiques. Le défi est donc de réussir à moderniser cette présentation tout en conservant le charme et de son troupeau central. Faut exposer donc, la systématique et la phylogénie, ce que je cherchais comme mot. La morphologie fonctionnelle et les paléo-environnements sont des sciences qui participent aujourd'hui à la compréhension des processus d'évolution. La préfiguration a réalisé quelques petites cinématiques, quelques vitrines ont été aménagées, mais la vraie rénovation n'a pas encore eu lieu. Et le soutien aux idées préconçues que j'ai pointées n'ont pas été corrigées. Dans la muséologie des années 80-90, le suggestif et le sensitif prennent le bord sur le cognitif. L'accumulation pour impressionner l'intellect à l'épuration esthétique de la présentation aboutit à la réouverture en 1994 de la galerie zoologie en grand galerie d'évolution et transforme la dernière grande bibliothèque d'objets en retirant de son exposition quelques 995 000 spécimens. Le choix était fait de conserver l'exposition d'objets, toutefois, mais afin de proposer une rencontre intime entre l'objet et le visiteur. Entre la galerie de zoologie et la grande galerie d'évolution, une autre galerie est apparue et disparue, celle du Duc d'Orléans. Une galerie d'un collectionneur avec son propre classement, où l'on retrouvait des dioramas. Classement d'un chasseur et de ses pérégrinations, souvenirs de milieux exotiques. L'image choisie de la biodiversité. Les spécimens du diorama de l'ancienne galerie du Duc d'Orléans ont été recyclés dans la conception de l'exposition de la Grande Galerie. Nous retrouvons dans cette Grande Galerie ses représentations, ou plutôt ses évocations de milieux exotiques, comme le disent les spécialistes, de processus synchronique. En fait, des environnements écologiques, ensemble de biodiversité. Vous connaissez tous probablement la Grande Galerie d'Évolution. L'exposition a été pensée en trois actes conceptuels. Le premier, le grand spectacle de la vie. L'idée est d'avoir une réflexion sur l'unité fondamentale du vivant et sur l'origine de la diversité. Le second propose des éléments de réponse aux interrogations suscitées par cette présentation de la biodiversité. Ce point-là est important de dire. La présentation de l'acte 2 de cette mécanique de l'évolution a été basée franchement sur les questionnements du visiteur après la visite des premiers niveaux. Le troisième acte, il s'agit en fait de découvrir les effets des activités humaines sur la dynamique de la vie. C'est l'acte de la sensibilisation et de la responsabilisation.
Donc le deuxième acte qui se focalise sur de la tentation de la mécanique, de l'évolution, tente de reprendre le chemin des découvertes avec son espace historique, reconstruire l'histoire de la vie, expliquer la diversité génétique dans la continuité de la vie et que cette diversité génétique est la source de la diversité des possibilités d'adaptation des individus. Le défi est colossal. La compréhension de cette histoire fait appel à un long mûrissement des idées et des concepts, de plus en plus sophistiqués. Une maturation qui demande un cycle universitaire pour la vie. Le troisième acte revient à l'homme, son emprise sur la nature, pour se nourrir, pour se déplacer. Cueillette, chasse, pêche, sélection, domestication, manipulation génétique, modification des paysages, pollution. Cette dernière partie de la grande galerie de l'évolution est faite pour inciter à réfléchir sur la préservation de la nature. Elle accomplit son œuvre, comme nous pouvons le constater dans la perception sociale de l'environnement. Cette présentation est très réussie et efficace. Toutefois, par rapport à nos préoccupations ici, comment présenter l'évolution, cette présentation renforce l'idée que l'homme est au-dessus de la nature. Malgré la présentation qu'on a eue tout à l'heure, je voudrais même dire que, en fait, favorise cette idée que l'homme est à l'image de Dieu, modifie son environnement, l'adapte. Et ce qui va entrer la réflexion sociale qui est derrière, de dire comment on doit réagir. Les études de perception du public ont montré que le choix du nom de la grande galerie est déterminant. Le visiteur, en pénétrant dans la galerie, recherche l'évolution. Les études publiques nous montrent que le visiteur, lors du passage des environnements marins aux environnements terrestres, se dit « Ah, ben tiens, voilà l'évolution, c'est la sortie des eaux. » Donc, en fait, notre message de dire que chacun des environnements représente les mêmes groupes, mais dont chacun une histoire séparée, une évolution, est atteinte. Donc, du coup, en fait, on a un déficit du questionnement du visiteur pour pouvoir attaquer la suite de l'exposition. Suite à cette étude, on s'est dit, bon, on va essayer de corriger les choses, mais vous comprenez bien qu'on ne peut pas s'amuser à refaire cette présentation qui affecte la renommée de la galerie et qui demanderait de trop grands investissements pour le refaire. On a donc décidé d'aménager les vitrines du balcon attenant sur le pourtour du milieu de l'environnement terrestre, qui était réservé à la location des espaces, pour en faire, pour retourner à une vision un peu plus classique, en présentant les plans d'organisation du monde. Le côté d'où vient donc la Grande Galerie d'Évolution. Pour rappel, l'exposition de la Grande Galerie d'Évolution est conceptualisée dans les années 80, autour d'un thème de la biodiversité, et déclinée en biodiversité comme le résultat de l'évolution. C'est pour l'inauguration de l'ancienne galerie zoologique du muséum, qui va être rebaptisée Grande Galerie d'Évolution, un nom qui est vraiment fédérateur pour le muséum, et surtout à cette époque, militant face au créationnisme mouvant. En ce moment, on suggère au public que la présentation sera une évocation de la théorie de l'évolution. Or, c'est ce qui est présenté au dire même des concepteurs, c'est que c'est une galerie d'exposition de la biodiversité de la vie. Donc, suite à notre étude de ce que je disais tout à l'heure, nous avons donc aménagé le balcon attenant au milieu terrestre, qui était libre. En 1996, nous avons donc décidé d'offrir une vision plus classique reprenant les codes de l'anatomie comparée, en composant des vitrines basées sur les plans d'organisation du vivant, afin d'atténuer cette perception de l'environnement. La circulation dans l'exposition isole un peu cette partie. Toutefois, la scénographie des milieux, est, tout spécialement celui de la caravane africaine, est tellement prégnante qu'elle masque la plupart des autres messages que je voudrais présenter. Les visiteurs de nos galeries sont le plus souvent de jeunes adultes à l'esprit ouvert aux sciences, accompagnés de jeunes enfants. Donc, au niveau des idées préconçues, nous n'avons pas affaire à des créationnistes revendicateurs. Toutefois, les idées préconçues du public
demande d'être accompagné pas à pas pour les faire évoluer. Les premières sont que l'homme ne fait pas partie de la nature et qu'il est au sommet de l'évolution. C'est une idée, on a l'impression qu'on arrive à l'évacuer, mais toute représentation, à un moment donné, on revient sur l'homme. Pourquoi ? Tout simplement parce que nous sommes l'observateur, tout simplement. Et donc, arriver à faire une présentation, on est capable de s'extraire de cette présentation, est très difficile. Ou du moins, faire passer, structurer notre message pour qu'il soit perçu de la sorte, est très difficile. Sinon, le deuxième problème qu'on rencontre à expliquer l'évolution, c'est l'échelle du temps. Si on arrive à remonter le temps jusqu'à nos parents, à nos grands-parents, à nos arrière-grands-parents, après ça, ça devient un peu plus compliqué, ça devient de l'histoire. Et après ça, de la préhistoire. Et après ça, en fait, c'est une notion complètement floue, c'est ailleurs. Donc, de penser l'évolution en termes de temps géologique, c'est très difficile. D'autant plus que tous les messages qu'on donne aujourd'hui dans notre environnement social, c'est de dire qu'il faut préserver la biodiversité. En fait, on est dans une espèce d'idée de on doit fixer l'environnement, on doit sauver les espèces qui disparaissent. Je ne sais pas que ce n'est pas vrai, on ne doit pas les sauver, mais simplement qu'on envoie un message en disant on doit fixer l'environnement. Donc, en fait, en quelque sorte, on stoppe l'évolution. Parce que, justement, on n'a pas cette notion de temps géologique qui nous permet de comprendre. Donc, j'en reviens à cette notion de classer. Elle est importante parce qu'elle est compréhensible. Et à force de chercher la compréhension, finalement, on peut aller plus avant. Il faut trouver donc le classement pour que nos visiteurs se posent la bonne question. Comment cette diversité prend place? Je vous remercie.